Et salut à tous, c'est Mister David et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette aventure sur Hearthstone Naxxramas. En espérant qu'il n'y ait plus de lag comme dans la première partie. Donc on a le troisième boss à faire. Maxna est une araignée géante. Ok, Maxna est une araignée géante. Ah donc celle qu'on va débloquer. Cette reine... Attends, mais là non, on gagne une carte. Ok, on verra bien. Cette reine araignée géante donne naissance à d'innombrables petites araignées qui se nourrissent des cadavres d'intrus. Ok. Ah, on peut pas voir ce qu'il y a sur après. Ah si! Ah! On voit tout! Mais attends, il y a une légendaire par. Oh! Mais il y a une légendaire par truc! Et si j'appuie non, là-dessus ou pas? Donc celle-là, il y aura 4, 4, 5. Ok, bon, bref. Du coup, nous allons commencer le combat. La dernière fois, on avait fait le prêtre et le paladin. On va tester avec le mage. Bon, c'est pas vraiment ce qui était le plus compliqué, les combats. Quoique le deuxième était un peu chaud au début, hein. Jaina contre Maexna. Génial contre Maexna. Vous l'avez Ok, cherché. bonjour. Moi aussi, je fais des bruits bizarres des fois, non? On va se débarrasser de ça. On va voir ce que c'est son pouvoir à 3 là. Ok, là oui, on sait pas trop mal. Notre pagage, c'est une bonne carte aussi. Alors. Poison te tuera sans douleur. Ou presque. Ok, elle peut me renvoyer un cri. Oh là 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 là. Travail Mais c'est cheaté terminé. sa carte, son pouvoir. Ok. Bah, on va poser Nathfagel. Attendre et pêcher toute la journée. Voilà, on va attaquer en mode normal. Ok, une autre, très bien. Fais-moi piocher, merci. Alors, parfait, on va. Bon, on va faire popper une des créatures, quoi. Ce serait bien qu'il balance tout là-dedans. Putain, mais ça... Oh là là, non, mais non, mais non. Ça pas le droit de jouer comme ça. Ah, très bien. Non, par contre, t'as le droit... Aïe. Ah. T'as le droit de jouer comme ça, par contre. Putain, je dis pas non. Du coup, j'ai le droit de mettre la provoque ou pas, moi? Oui, j'ai le droit, hein. Je vais mettre la provoque. Ou alors... Si, la provoque. Et on va sacrifier cela. Allez. Voilà, comme ça fait des 1-1-1-1. S'il veut taper dedans, il va tout détruire. Ah oui, j'avais oublié. Merci pour le petit commentaire qui fait plaisir. Oh, du coup, c'est la merde. Comment on fait pour jouer? C'est aléatoire? On va voir. Non, je pense qu'il peut choisir en plus. Il va me renvoyer celle-là. Hein. Très bien. Invoque une gelée. Ok. Mais bien sûr. Mais non. Voilà. Ça, on est d'accord, hein. Tu fais pas chier, hein. Ça, de toute façon, celle-là va mourir tour d'après. Celle-là... Bah, on va en profiter pour tuer ça. Et ça, bah ça. Voilà, tout simplement. Ok, de nouveau un. Bon, j'ai un deuxième mouton, hein. Au pire. Il me l'a pas renvoyé. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire quelque chose d'intéressant? Ah, mais ça le gèle, ça. Ah mais ça reste une carte... Ouais, ça fait une petite provoque 1-2 en fait. Allez. On la gèle, comme ça prochain tour on la ping. Ah, celle-là j'aime pas par contre. Oh, mais c'est pas grave, elle a fait son boulot. On est d'accord, elle a fait son boulot. Alors ça, on te ping. Ça,
ça, on te la détruit. On va mettre la provoque. Et... Oula, oula. Maxna, je n'ai pas approuvé cette carte. Bon, on... je propose qu'on la ship, hein. Comme ça, on la détruit. Et on balance ça. Allez, allez. Au début de votre tour, rend tous ses points de vie à ce serviteur. Mais ça, c'est pas grave. Ça aussi, c'est pas grave. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. Ah, ça c'est cool. Hop, plus 2 provoque. Voilà. Et ça c'est pour donner provoque. On va donner provoque là, même si bon, ça ne sert pas à grand chose. On attaque dans l'arc, boule de feu, ping, et c'est gagné. Oh, c'était ça. C'est pas grave, renvoie celle-là. No problemo. Vas-y, vas-y, attaque. Non mais tu as perdu. Je ne sais même pas pourquoi tu te fatigues. Voilà, j'en ai même une deuxième au cas où. Hein. Du coup, allez, on va nettoyer un petit peu quand même, histoire de... Ouais, on perd du temps pour rien. Allez, on attaque. Et voilà. Et du coup, on a débloqué l'œuvre de Nirubien. Ce n'est pas terminé, pauvre mortel. Ok, donc on a fait le troisième. Et là... On a obtenu Maxna. Tu crois que cette carte va te sauver? Tu te trompes lourdement. Ok, donc ça détruit tous les serviteurs blessés par serviteur. C'est une 2, 8, 6 cristaux. Ah là là. Oh! On a débloqué des défis de classe. Faut choisir ou... Non? Ok. Donc, ah, défi de classe. Oh, vous pouvez affronter 9 des boss de Naxxramas. Attends, on va voir ce que c'est. Oh, donc, battre avec ça ou avec ça. Ok. Eh bien, on va essayer la première mission pour obtenir donc des graines de poison qui détruisent tous les serviteurs et les remplacent par des triantes de 2. Ok. Très sympa tout ça. Oh, je vois déjà des combos faisables avec. Ah, bref. Alors, du coup... Ce deck spécial de druide. Ah, et on obtient une carte de druide, très bien. Mais c'est un deck qu'on ne choisit pas, donc qui nous est imposé, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, Michel. Vous avez très bien compris. C'est bien ça. Ok. Contre grande veuve Faerlina. Mais salut, grande veuve. Comment on se retrouve? Je dois protéger la nature. Ok, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai, c'est très bien. On va garder ça, hein. Il avait quoi comme pouvoir, elle, déjà? Ah oui, le missile qui fait très très mal, j'avais oublié. Du coup, on passe. Oh là 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 là. Allez, hop. On l'attaque dans la face. Ah oui, par contre, sa carte, elle va me faire 5 de dommages d'un coup, là. Ouf, c'est bon. Venez-vous battre, Vermine. Ok, elle a charge. Oh là 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 là. Alors. Oh, c'est nouveau, ça. Invoque une... Wow, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Alors, on va... ok, donc là, je vais la tuer.
Et ça... dans ta face. Voilà. Putain, sympa cette carte. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Très bien, ça fait plaisir. Non, non, mais c'est cool, mec. Franchement, si tu le vis comme ça. Mais attends. What? C'est quoi ce machin bizarre autour? C'était ok, c'était pour tester, hein. Attends, si c'est une copie conforme, ce sera une copie conforme de ça. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein. Ah non, c'est pas... Ah si! Très bien, très bien, j'ai déjà... Ok, non mais ça va suffire un peu le bordel là, hein? Ça va chauffer le bordel. Voilà, merci. Oh, et puis il me donne une carte qui a l'air vraiment sympa. Et toi, tu fais quoi déjà? J'aurais peut-être pas dit plus en fait. Tu faisais quoi comme... Ah oui, détruire les machins adjacents. Donc en fait, j'ai encore mal joué. Parce que j'aurais... Comme dans le premier épisode, j'aurais tué lui, ça aurait tué l'autre. Mais je suis bête, c'est pas grave. À genoux, vermisseau. Très bien. Tuez-les au nom du maître. Non, tu veux pas me taper dans le lard? Ok. Donc ça c'est... Bon, franchement... 4 attaques ou 4 PV. Est-ce qu'on ferait pas un petit hop? Hop! Et du coup, on tape dans l'art là-bas plutôt? Ouais, on va faire ça. La veuve mettra! Par contre, elle va me taper dedans, voilà. Non, t'aurais pu m'attaquer moi quand même, hein. Franchement, c'est pas très très sympa tout ça. Bon, blague à part. On va te... ça invoque une... Ouais, donc on va te réduire au silence. Voilà, ferme-la. Merci. Et on va... attaquer... toi. On va la détruire quand même celle-là, même si elle sert pas à grand chose. On sait jamais, si elle la transforme et tout. Se tiennent prêts. Oh, Rade d'agonie, un serviteur aléatoire, ça c'est pas mal. Ok. Oh, mais ferme-la. Oh. Que faire? Alors, ce qu'on pourrait faire... Réfléchissons. Si je fais 3 plus 2... est-ce que ça vaut le coup? Mon bouclier pour Argus. J'hésite, hein. J'hésite. Elle survit du coup celle-là en plus. On va donner plus 4 d'attaque à ça. Là c'est un peu du coup de bol. On tape là-dedans, serviteur aléatoire. Bien sûr c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Parfait, j'ai eu peur que ça tape là-dedans. Donc là ça fait 7 et 5, 12, 13, 14. Bah c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Voilà, on peut même troller un peu. Hop. Je te donne 4 PV et provocation à toi. Voilà, comme ça on est bien. On fait 2, 5 et 7.
coup, on a les graines de poison. Bah voilà, c'était facile. En plus, on improvise. Mais attends, j'avais des légendaires dans ce deck et tout. Ça va, ils sont gentils, hein. Franchement, ils sont plutôt gentils. Du coup, est-ce qu'on fait ça? Oui, allez. On va se faire aussi le défi voleur pour cet épisode. Et on se gardera à l'héroïque donc pour un troisième épisode, pour cette première aile de donjon. Voilà, donc c'est des petits épisodes sur Hearthstone que j'avais pas prévu à la base de faire. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de faire ça avec vous. Ok, donc il y a du super étincelle, il y a... Renvoie un serviteur allié aléatoire dans votre main. Ok. Donc il y a moyen de faire un combo en posant celle-là, celle-là, en la tuant, machin. Ouais, il y a des choses à faire. Voilà, puis petit troisième épisode, on fera donc sur donc l'héroïque. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi. Ah, elle répond en sifflant, très bien. Oh, encore celle-là. C'est un peu chiante quand même, ma petite, hein. Franchement, tu pourrais être renouvelé. Bon. On va jouer juste l'épée, pas plus. Ça c'est super chiant en fait. J'aurais pu peut-être l'attaquer, je sais pas. Il y a des combos à faire. Ce serait bien c'est qu'elle pose deux créatures autour d'après. Du coup, on va taper, se remettre et attendre. Ouais, y a moyen. C'est aléatoire, hein, ouais. Alors, on va jouer stratégique. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup trop de créatures. Ce qu'il faudrait, c'est transformer celle-là. J'hésite. Bon, allez. On tape dans l'araignée. Ça va faire mal, en fait. Très bien, non mais vas-y, fais-toi plaisir, hein. Très bien, ça fait balle. Du coup, on va... Ah oui, non mais, aléatoire. J'ai eu tellement de chance. Et on va être obligé de taper là-dedans. J'ai joué celle-là. J'ai extrêmement mal joué, hein. On est d'accord. Oh là 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 là. Ok, j'ai perdu. Alors là, gagner avec ce que j'ai dans la main. Alors là, franchement, je vais tenter le coup. On va taper ça. On la fait revenir. On la rejoue en espérant que ce soit un des deux là. Ok, bon. Même 8, 12, 13, voilà, c'est fini. Aïe. C'est la défaite. Bon. Allez, on retente tout de suite. On en est quoi, à 19 minutes. On retente. Voilà, ça arrive, un peu de malchance, tout ça. Je peux pas tout réussir du premier coup non plus. Ok, donc ça et ça. Je sais pas. Tiens, on va tout virer. Allez, soyons fous. Ah, c'est déjà un peu mieux. Celle-là, elle est dure, hein, en fait. Elle est bien, mais... What? Horrible. Les sorts adversaires coûtent 5 cristaux de plus au prochain tour. Celle-là, elle pourrait être bien contre un mage. Mais c'est une 5-5 aussi, c'est pas si mal. Du coup, s'il a des trucs pour tuer instant, tout genre de choses... Alors, celle-là, ça fait du double 1-2, en fait. Non, celle-là, faut la garder pour le défiasse. On va créer une double 1-2, hein.
Oula, qu'est-ce qu'il va me faire? Très bien, j'aime pas ça du tout, mais bon. Putain, je vais pas tout sacrifier pour ça quand même, si. C'est triste. Non, on va pas tout sacrifier pour ça, on va faire. Un tir. Un. Un mort. Deux. Et trois. Voilà. Et on tape dans le tas quand même. Bon, on va sacrifier là à un. Hein. Ou bien on sacrifie, on se tape encore une fois dedans. Allez, on se tape dedans, on est des fous. Hop, je me soigne. Et le combo. Je vais tenter. Alors, j'ai des petites créatures sur la table, mais bon. Ça me permettra. J'ai une 3-3 quand même. Elle est chiante par contre en tissu là. Elle est chiante de chez chiante. Et est-ce que je ferai pas des provocations? Non, tour d'après. Une 5-5, c'est pas mal. Et on a vu comme ça l'animation de la nouvelle légendaire. Au rêve. Parfait, elle s'est dévoilée. Ah oui, du coup, je peux pas la taper. Ça fait une provoque 1-2. Très bien. Voilà, t'as provoque 1-2. On la défonce aussi. On va détruire ça. On se rend. On rend 3 PV à notre belle petite créature ici. Et le dépiace. Voilà, en plus, comme ça, à la fois. Oh, elle choisit en plus. Cheater celle-là. Hein. Non, mais tu vas te calmer. Alors toi, je vais te détruire. Toi, je vais te garder. T'es chiante, toi. Celle-là. Une épée. Et on tape dans le tas. Je la sens déjà mieux que la partie d'avant. Hein. Écoute. What? Ah, oh, pas mal le petit combo là. Ça peut déclencher un râle d'agonie, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup. Bon, on va faire comme ça. Voilà, puis on tape. Tout simplement. Et voilà, on a réussi le deuxième défi. Et du coup on a débloqué cette carte là. Renvoie un serviteur allié aléatoire dans votre main. Il y a des combos à faire je pense avec ça à étudier. Voilà du coup pour ce deuxième petit épisode sur l'aventure de Naxxramas. La malédiction de Naxxramas. C'est fini. Je pense qu'il nous restera donc un petit épisode pour cette première aile de donjon, sachant qu'il y a donc une aile de donjon chaque semaine pendant donc 5 semaines. Ça va faire quelques vidéos sur Hearthstone. Donc la prochaine fois, on a donc le mode héroïque. Je ne sais pas du tout ce que c'est le mode héroïque, on va voir ça. Bref, n'hésitez pas, le commentaire, le pouce vert, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne YouTube afin de ne manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour la suite. Ciao. Juste, alors, petit rajout après la vidéo que je viens de faire. Il n'y aura pas de troisième partie en fait, parce que tout simplement le mode héroïque, c'est les mêmes boss que le mode normal, mais en version hardcore. Pour vous dire, le premier boss a 45 points de vie, son sort ne coûte que 2, c'est qu'il invoque une 4-4 sur la table, il a je sais pas combien de cartes, il a plus de cartes, il me semble, j'ai pas fait gaffe, mais il doit avoir plus de cartes que nous. Enfin bref,
Ce jeu se combat en plus difficile, donc rien de bien intéressant sur ce coup-là. Donc du coup, je pense que voilà, on fera... là, c'était un peu un test pour cette première aile de donjon. Mais si à chaque fois, c'est normal, défi de classe et héroïque, on fera, je pense, à chaque fois en deux parties. La partie où je fais les boss en normal, et après la partie où je fais les défis de classe avec vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ou alors si vraiment vous voulez me voir galérer en héroïque, parce que j'ai essayé là pour vous dire... c'est vraiment pas facile, vraiment pas du tout. Enfin bref, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et bah, je vous ai déjà tout dit avant, donc je vais pas vous le redire une deuxième fois. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.